Après la conférence de presse. Le micro. Ah non. Ouais. Oh, ouais. Oh, c'est bon. Tout le temps va se faire. Bien. Thank you.
Merci, Madame Mouroni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que le médecin, les laborantins et les agents de l'INMD qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. À cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des minéraux. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août. Date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie des millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles, ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Les 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et sociaux qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'était, lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte et représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République.
et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC accueillera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mabim soit exhumé des centres communs, persécuteurs du peuple congolais, de tout bord, soit traqué et déféré devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mabim et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice et la justice amènera réparation, prévue à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour les Congolais. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par les régimes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde où les outrages à la mémoire, quels sont les révisionnismes et les négationnismes, sont condamnés et réprimés par les lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kasika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, les Filindi et autres qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion des représentants des Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont formés. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise
comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte ou deal Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et aux groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ces combats redoutables de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu, à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises cédées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, je m'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants, cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus.
tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise. Marchons tous les 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. Deuxième petite préoccupation. Fatshi a dit de ne pas être de l'installation de la commune soulignée. Azara se rouvait avec tort que le chef de l'État était au courant de sa annulée. Qui trompe qui? Ce qui se passe ici, c'est seulement nous qui le faisons. Voilà, je crois que vous avez répondu vous-même à votre question. Tout dit trompe parce que Azaria se rouvait que tout le monde était au courant. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, on annule, on se... membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on avait procédé, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on n'était pas les tests. Les groupes de changement, nous, les représentants des tiers de Tshisekedi et des mémoires, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère des réformes institutionnelles. Moubaké, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de l'autre côté. Monsieur Azaria Soubera ne veut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Baradi, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté.
Valentin Moubak et moi-même, jusqu'à la fin, et certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azalias Oberoi est toujours ministre de la... Vous parlez de la désorganisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Oui, madame. Madame César. Je me pose toujours la question de savoir, vous avez parlé de pourquoi t'as voulu une zoom et ça, du papa? Marche. Mais à quoi sert toujours cette marche? Parce qu'on a vu avec les gens du mouvement sur le marché pour demander le départ de l'ambassadeur rouennais, qui est toujours là. Vous avez parlé, vous avez utilisé des termes appropriés, mais à quoi sert la marche que vous lancez à la République de s'allier à l'unité nationale? Très bonne question. Madame, est-ce que les mouvements citoyens ont baissé les bras? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mouvements citoyens, ils vont continuer. Ils ont dit qu'ils continueront leurs actions jusqu'au départ de ce monsieur Karega, Vincent Karega. Et certainement comme moi, vous avez vu un document qui a circulé dans la net. Je ne sais pas si c'est un faux, comme on est habitué maintenant à des fake news, mais prenons-le comme ça. Que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit que ce monsieur ne pouvait pas venir ici, vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Que vous l'acceptez. Est-ce que nous avons un gouvernement? Est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement des gens qui ont décidé de la balkanisation, de la fragilisation des institutions du Congo, qui ont demandez à ce monsieur de venir ici pour fragiliser davantage nos institutions. Monsieur Karega est persona non grata au Congo. Alors, pourquoi continuer de marcher pour nous? On marchera. Mais qu'est-ce que je vous ai dit le 22 juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Guinée? Que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seul qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères, près de Rutshuru, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Nos frères de Rutshuru, nos frères de tout l'est de la République, de l'Ituri, partout, de Haut-Touélé, Bas-Touélé, les gens n'ont pas de droit. Les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Donc, nous, nos enfants, nos arrière petits-enfants, vont
la question des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà du problème miné, que je trouve légitime, il y a quand même un sentiment quelque peu anti cette population qui se réclame congolais. Est-ce que le président Faye aurait voulu les Banyamou et les Congolais? Écoutez, un provocateur, parce que s'il y a des gens qui sont légers, qui ne tournent pas leur langue cette fois avant de parler, on sait que vous allez m'attraper ou parfois un peu comme piégé. Je ne suis contre aucun peuple humain. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Mais j'étais congolais dans ces pays et j'ai respecté les législations de ces pays, j'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ce terme-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'ils soient congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale sur l'humanité, ces jeunes garçons à la conférence nationale. Mais les Sanaï ici, ils peuvent vous dire, nous avons débattu de cette question à la conférence nationale sur l'humanité. Moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je n'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ce problème, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïwel, qui est, comment dire, historien, et tant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribunes. Ici, chaque tribu qui est rattaché à une langue, n'est-ce pas? Vous parlez de cette colline. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de ces terres? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis. On me donne une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette partie. Commençons à partir de Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la balkanisation de la RDC, vous pensez que c'était un jeu, comment dire, l'esprit, et c'était une fantaisie. Les gens parlent pour partir. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou le départ, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Okay. Territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, commune rurale, prend une partie de Chabunga, là. Prend une partie de Mwenga, là. Et ça va, et ça prend une partie de Vira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça aide. Il y a des villages qui sont de Chabunga là-bas. Il y a d'autres villages de Fiji ici, de Mwenga. Ça devient ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer les terres, vous le savez?
Est-ce que vous connaissez la situation des Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, qui sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça, c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans. Ce n'est pas une affaire de 10 ans. Ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans. C'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayoulou, je ne laisserai pas de nom dans les annales de ces pays pour dire que c'est pendant que j'ai vivé que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de la référendum de l'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, et ils ont miné mon territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulenge, ils n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir. Aller à Tiafurel, par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo. Ils sont là, à Tiafurel. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié les tribus. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'Ardenne ici. Comme Laurent Désiré Kabila disait, le conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces Ardennes pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir des informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum? On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa. Et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mis en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à Ituri, les gens de Ituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous.
et on peut dire que je suis de l'Itouri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Itouri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes, les groupes de 5, les groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Conseil. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme, qui ici est tribaliste? Éric Wembakan, vous m'avez connu. Vous savez quel tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, les noms, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est de qui? J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire, et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Badimolek, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né des papas Moutandou, des mamans Bafoulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'imposition. Tout y est. Merci. Oui. Donc là, on peut prendre les places à Jumala pour. Question en français. Allô. S'il vous plaît. Attendez. Question en français, comme ça on prend. Français. Oui, Jean-Luc. Ouais. Merci beaucoup, président. Vous avez posé des problèmes. Et c'est le sentiment presque partagé par beaucoup de Congolais. Maintenant, quelle est la solution aujourd'hui pour les Banyamulenge? Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale? Il faut la supprimer. Quels deviendront les Banyamulenge après? Parce qu'ils continuent à revendiquer une terre. Ont-ils réellement une terre ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question. On a vu l'ambassadeur des États-Unis de France là-bas. Il était parti. On a vu les députés nationaux. On a vu les ministres de la Défense. Est-ce que, selon vous, la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Parce que même la MONUSCO ne semble pas être trop claire sur cette question-là. Quand on suit les propos de la représentante du secrétaire général de l'ONU, est-ce que la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Est-ce qu'à force de trop pousser les Banyamulenge à la poste, on ne risque pas de se retrouver dans la situation de la Chine aujourd'hui avec les Ouïghours? Non, Jean-Luc, quelle est la situation des Congolais qui habitent les quartiers Matongé à Bouxerset? Les quartiers Matongé, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous aviez là-bas des boutiques congolaises, vous avez. C'était quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devient une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation, c'est comme la situation de tout le monde. La solution. Faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo, mais qu'ils respectent la loi congolaise.
que dire à leurs Congolais s'ils veulent, comment dire, des présidents permanents? Les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, demander, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Moulengo, Banyamulengo Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté. J'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms des gens qui sont pour vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant. Le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser le Congo. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand je l'ai vu là-bas. J'ai appelé pour toute l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté. Mais ça veut dire quoi exactement? L'ambassadeur, l'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité, une mission humanitaire. Mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Si je l'ai rencontré ce matin, je lui dis, mais monsieur le président, je vous repose la question. Votre présence a changé quoi? Il dit que d'abord, je mets le point choix ici. Ok? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, de la première heure, n'acceptera jamais que un seul centimètre carré du Congo parte. Les États-Unis vont continuer, je dis parce que les États-Unis, c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche de nos mondes. Donc, il y a des problèmes humanitaires. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires, les problèmes sécuritaires. Les communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non. On vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et dans, il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute. Si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai vu? Moi, je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Oui, cher ami. La marche de 14 sur moi, il y a un petit souci. Je suis dans les itinéraires. Comment ça va se passer? C'est possible. Le point de départ, il y a des gens pour éviter ce problème des autres qui nous ont fait. Donc, quand j'en fais ça des darons, je voulais aussi savoir quelles sont les vraies raisons qui sont à la base de ces retards enregistrés pour la prise de vos fonctions à la coordination de la Vous avez des questions. La marche. À chaque emploi, à chaque ville, donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche, les autres contraires, on va préciser. Alors, les itinéraires aux questions, nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ok? Et Amos 3:3 dit bien que deux personnes...